Les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build sur un joueur qu'on a tellement entendu parler et surtout dans cet Euro avec l'Espagne, Nico Williams. Donc voilà, je tenais à faire un build sur lui. On va voir ça directement, mais juste avant les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout à activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos si mon contenu vous plaît. Et nous, on est parti du coup pour ce build. Donc pour le poste AG, forcément c'est son poste et du coup c'est là où on aura les meilleures stats ou en tout cas les stats qui ressemblent le plus à ce qu'il propose. Donc comme d'habitude, je me suis basé à des vidéos YouTube que j'ai trouvées à ce sujet. Je me suis également basé à sa carte Ultimate Team. Donc voilà un petit peu à tout. J'ai fait un mix pour essayer d'avoir les mêmes stats et vous allez voir le résultat. Donc pour la taille 1m80 et 45 kg, c'est comme lui pour la taille. Il est un petit peu plus lourd dans la réalité, c'est sûr, il fait pas 45 kg, mais voilà, c'était pour gagner en agilité. Ensuite, pour les styles de jeu et les styles de jeu plus, les premiers du coup, style de jeu plus, on a passe en profondeur plus pour améliorer la rapidité de nos passes et du coup sans impacter le contrôle du joueur à qui on la met. Donc ça c'est cool. Et en second, full et rapide plus. Là, vous allez courir comme un fou. Ensuite, dans les styles de jeu, on a tir en finesse pour tout ce qui est enroulé. On a tiki-taka pour les passes à une touche. On a passe travaillée. Donc ça, c'est pour les centres. Vous le savez, très cheaté cette année. Technique, ça c'est pas mal aussi pour courir sur le côté. Rapide pour encore une fois améliorer du coup notre vitesse. Et enfin, extérieur du pied, il en réalise pas mal. Donc voilà. Donc voilà, tous ces styles de jeu, ça fait vraiment un très beau combo d'ailier. Donc franchement, ça risque d'être pas mal. Ensuite, pour les attributs, on commence avec la vitesse. On a tout forcément. Il a un petit peu plus en réalité. Mais bon, j'ai mis le maximum. De par la taille, c'est compliqué d'avoir plus. Donc voilà, on a 93 en accélération et 96 en vitesse. Pour ce qui est des tirs, on commence par la colonne de gauche. Beaucoup de puissance de frappe grâce à l'archétype sniper parce qu'il en a. Et du coup, on en arrive à 86 de puissance de frappe, 84 en coup franc et 81 en penalty. Mais ça, on s'en fout un petit peu. Et du coup, du côté droit, on a cette étoile de mauvais pied combinée à celle-ci qui nous fait avoir les 5 étoiles de mauvais pied comme sur sa carte. Et toutes ces finitions, ce qui nous fait 86 en finition au total, pas mal du tout. Au niveau des passes, pas mal de choses sur le côté gauche, avec notamment de l'effet de la vista et des centres. On en arrive donc à 88 en centre, 90 en effet et 81 en vista. Donc ça se rapproche énormément de ce qu'il a sur ses cartes. Et côté droit, 3 passes courtes pour avoir 87. Vraiment pas mal du tout. Au niveau des dribbles maintenant, on a pas mal d'agilité, notamment grâce à l'archétype Maestro, ce qui nous fait avoir 95 en agilité et 91 en dribble. Ensuite, on a également 7 étoiles de geste technique qui nous fait avoir 4 étoiles au total. Malheureusement, il n'a pas les 5 sur ses cartes, donc je ne me suis pas permis. Et du coup, côté droit, l'archétype Lynx qui nous fait avoir 91 en équilibre et 95 quand même en conduite de balle, c'est énorme. Franchement, il y a de quoi faire avec tout ça. Ensuite, rien au niveau de la défense forcément. Et deux petites endurances du côté du physique. Parce qu'il est pas mal endurant, j'ai regardé sur ses cartes. Et on a quand même 85 en réactivité, ça reste très correct. Voilà pour cette carte, les gars. Franchement, ça peut faire du lourd sur le terrain. N'hésitez pas à tester ça, à me dire vos retours. Mais là, il y a tout pour un bon ailier. Un ailier qui est pas petit, donc ça change de l'ordinaire, ça peut être cool de tester. Je vous conseille vraiment de tester ça en cette fin de jeu et de me dire vos retours en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire quel build vous aimeriez que je fasse et moi je vous dis à la prochaine.